les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est dimanche, jour du Seigneur comme je dis souvent. On est dimanche, dimanche 27, je vais y arriver. Il est actuellement 11h40 ce matin, je suis complètement décalée avec ce changement d'heure. Là, on a l'impression que ça passe hyper vite, que t'as le temps de rien faire, qu'il est déjà midi quoi, c'est un truc de dingue. Donc du coup ce matin on a déjà commencé à faire le ménage avec Mathieu. On a fait les chambres, les lits, etc. On a enlevé toute la déco de l'anniversaire d'hier à Sarah. Tout ça c'est fait. Les devoirs de Sarah sont terminés aussi. Elle a quasi tout fait toute seule ce matin pendant que je déjeunais. Elle a fait sa lecture toute seule. Bon après elle l'a fait avec moi, mais elle avait révisé avant. Et elle avait fait ses mots à écrire toute seule aussi. La seule chose qu'elle avait besoin de nous, c'était construire une horloge. Il fallait qu'elle découpe une horloge et mette une attache parisienne et tout ça pour apprendre l'heure. Mais bon, Sarah, c'est pas quelque chose qui l'effraie puisque je lui ai déjà appris depuis l'année dernière. Donc Sarah sait déjà lire l'heure. Sauf que là, la seule chose qui change, c'est que la maîtresse leur a dit qu'elle allait leur apprendre comme des CE2, et donc elle leur apprend le quart et demi moins le quart, alors que ça Sarah elle ne le connaît pas. Voilà, donc du coup ce matin elle avait ça à faire, donc du coup on a fait un petit peu de révision de l'heure, mais comme elle a déjà une montre et qu'elle sait déjà lire l'heure, c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, donc du coup là Romane est toujours sur ses devoirs. Je crois qu'il y a un exercice qu'elle a pas très bien compris parce que je crois que Mathieu est en train de lui réexpliquer. Sarah s'est déjà habillée, elle a voulu garder ses tresses d'hier, là ils sont un peu fatigués, mais elle a voulu les garder et du coup elle s'est reposée avec tous ces petits trucs d'hier. Du coup elle s'est installée son petit pot à crayon où elle a mis des stickers dessus. Et puis voilà, elle écrit dans son petit cahier tout ça. Bref, je crois que j'ai fait une heureuse et c'est le principal. D'ailleurs on y a installé aussi toute sa déco là, belle, comme ça. Comme ça tout est là, c'est cool et c'est rangé. Donc du coup le linge est en train de tourner aussi, donc ça c'est fait. Cet après-midi, je pense qu'on va se poser au soleil tranquille parce que après la semaine prochaine, il fait pas beau. Donc on va en profiter de ces derniers jours de soleil. Mathieu, je pense que lui va bricoler dans la caravane. Moi, il faut que je bombe encore quelques étagères pour la chambre à Romane. Comme ça, ça sera fait. Et en même temps, je vous dis, profitez du soleil. Voilà. Donc go, c'est parti. On commence cette journée en mode décalé. Ça rime, mais c'est vrai. Non, mais il fait meilleur dehors que dedans. Non, mais on se met à la fenêtre, on a pas froid. On est là, ah, et dedans, je sors la robe de chambre parce que j'ai froid. C'est normal. Quoi? C'est le printemps. Ouais, je m'en remets pas, dis donc. Bon, du coup, on se bouge quand même un peu. Il est midi et demi. Mais moi, j'arrête pas. Oh, il était sur le canapé en train de regarder TikTok. Non, mais même pas, j'étais sur Facebook. Oui, oui, ça va. Je te montrerai le soleil après. D'accord. Du coup, ouais, il est midi et demi, donc on va préparer à manger. À midi, on mange des bruschetta. Ouais. Tu sais, les pains avec les tomates cerises, la salade, le fromage, tout ça comme la dernière fois. Ok. C'est bien ça, c'est bon. En plus, vu comment il fait dehors, c'est très bien. Comme ça, après, j'aurai juste à m'habiller, je ferai ma douche ce soir. Non, on va pas manger dehors, non. Comme ça, je ferai ma douche ce soir. Et puis, cet après-midi, en mode bricolage. Tu vas travailler. Non, il faut que je bombe les étagères à Romane. Toi, il faut que tu bricoles dans la caravane et il faut qu'on profite du soleil en même temps. Tout à fait. Voilà, c'est notre programme de cet après-midi. Ouh là là, que c'est lourd. On pourrait éventuellement, hein, passer les deux premières étapes. Profiter du soleil. Non, il faut mon chat, parce qu'après, la semaine prochaine, il fait pas beau. Je vais être coincée encore pour les étagères à Romane. La caravane, elle va pas avancer. Donc on n'a pas le choix. Mais bon, on est dehors déjà. Donc c'est déjà bien. Papa, vu qu'il aime bien. D'accord. C'est toi qui fais à manger du coup. D'accord. À part pour les faire. Oui, c'est moi qui les a fait chauffer au four, oui. Oh, moi, ça va. Non, c'est rien. Hop. Une vraie cuisinière, hein. Papa, il va être content, hein. T'as tout fait, dit. Après, je vais lui dire.
Ah ouais, lui, il va être content vu que t'as mis beaucoup de parmesan, ouais. Après, on va mettre la mozza. Ouais, on coupera des tomates pour mettre la salade après. T'es contente de faire ça? Et moi je dis, quand même, ça c'est du travail d'équipe. Hein. Et encore, il y a deux secondes, il y avait Roxane. Ouais. Juste que je n'y avais pas fait, c'est bon? Tiens, la dernière. Un peu de sel, un peu de poivre. Donc mon petit toi, chat? Parce que toi, ouais, le sel, ouais. T'aimes trop. Hein. T'es devenu la commis de Sarah? Ouais, c'est la chef. Ok, ça marche. Pas trop, hein. Oui, oui, mais toi t'aimes bien le sel. Ah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Punaise, il fait hyper bon, c'est hyper hyper agréable. Donc du coup, Sarah nous a demandé une petite table. Donc on lui a sorti la table, la chaise. Elle s'est installée avec toutes ses petites gommettes qu'elle a eues hier. Son cahier, comme depuis ce matin quoi, elle décolle pas de ça. Donc elle s'est posée là-dessus, Roman elle joue au ballon. Mathieu va faire les étagères au niveau des placards à l'intérieur de la caravane qui sont, vous allez plus me voir pendant un moment... Reviens, voilà, qui sont juste là en fait. À la base, c'est comme ça, c'est vide. En fait, on met juste les fringues comme ça, mais c'était pas bien pratique. Donc du coup, Mathieu est en train de m'installer des étagères pour me faire deux compartiments, ce qui sera beaucoup plus pratique. Donc il faut qu'il fasse ça sur tout le long. Là, en fait, là, là, là-bas, là, là, bref. Tout ça, il a à faire et puis il a une étagère à me poser pour des épices qui vont arriver là-bas. Mais là, c'est le bordel dans la caravane, il y en a partout, donc je filme pas trop. Et moi, pendant ce temps-là, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de peindre les étagères à Roman parce que Roxane est juste... voilà, c'est le mot, elle est... Ouais, c'est ça. On a mis un quart d'heure avant de sortir de la maison parce qu'elle voulait pas s'habiller, du coup elle est toujours en pyjama. Elle voulait pas sortir, elle voulait pas mettre de chaussettes, elle voulait pas mettre de chaussures, elle voulait pas aller dans la caravane, elle voulait pas aller dessins animés, elle voulait pas d'activité. En gros, elle veut absolument rien faire. Donc là je lui ai dit, est-ce que tu veux faire un reposé? Oui. Est-ce qu'on se met dans le caravane? Non. Est-ce qu'on se met dans le canapé? Non. Est-ce qu'on se met dans le lit à maman? Non. Voilà, donc le reposé, je ne sais pas où elle veut le faire, mais elle veut le faire nulle part. Donc c'est un peu la galère. Donc là, elle est partie jouer, alors pour combien de temps je ne sais pas. Donc je vais aller en profiter pour aller peindre les étagères à Roman. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, quoi. Parce que pour l'instant, c'est assez compliqué avec elle. Mais en tout cas, c'est cool qu'il fasse aussi beau et aussi chaud. Ouais. Roxane, c'est fini, elle pleure déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Aidez-moi, les amis. C'est bon? T'as trouvé de quoi faire, madame la râleuse? Apparemment, ça a l'air d'aller. Hein? Dis, Roxane, t'es bien là? Ouais. D'accord. Ouais, tu joues, ouais. Profitons-en, parce que ça va pas durer longtemps à mon avis. Donc du coup, j'ai été chercher une des étagères à Roman. Donc ça, c'est l'étagère rose qui était à Raphaël, qui lui servait de penderie un peu. Donc là, je vais la garder. Elle servira toujours de penderie pour Roman, sauf que rose, ça va pas du tout dans sa chambre. Voilà. Donc du coup, je vais la repeindre en noir, comme son lit. Et elle a une petite étagère aussi, comme ça, où... clairement, voilà, Raphaël a fait couler des trucs dessus, donc je ne peux pas la laisser bois. Donc pareil, je vais la peindre en noir. Donc pour ça, j'ai de la bombe, enfin j'ai même deux bombes qui me restaient d'action. J'en ai une là et j'en ai une là. Et toutes les deux sont noires mat, donc ça me va parfaitement. Donc c'est parti, je me mets à la peinture. Bon, j'ai peint, j'ai fait déjà une première couche. Donc vu que c'est en plein soleil et que c'est noir, autant vous dire que ça va sécher hyper vite. Donc là, on a la première là qui est en train de sécher. Et puis la deuxième, il me restera à faire le dessous et là, l'intérieur. Mais du coup, à la bombe, ça va hyper vite. Et là, avec le soleil, ça sèche hyper vite. Donc ça, c'est super pratique. Et Mathieu est toujours en mode bricolage. Ça va, t'as pas trop chaud dans la caravane là? Un peu. Oui, il fait un peu chaud. Hein. Un peu. Là, je sais pas, je miserais bien sur un 24 quand même là, non? On va prendre les plans parce que tout à l'heure, quand je suis allé faire les deux petits achats, là, j'étais déjà à 19. Ah ouais, bah, là, il fait vraiment. On pourrait presque dire il fait chaud. Tu vois? Ouais, presque. Franchement, c'est à la limite, mais franchement, c'est trop, trop du bien. Et du coup, Sarah nous fait un petit truc, je vous montre. Alors, qu'est-ce que tu nous fais du coup?
Tu as pris des petits bouts de journal. De ça. Oh, tu l'as mis sur le côté, c'est normal ? Oui. Ah, d'accord. Et tu colles des petites fleurs, du coup. Oui. Mais ça, à mon avis, il faut que tu les mettes à plat, hein, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir fermer ton cahier après. Ouais, il faut qu'il soit plat. En fait, il faut que tu prennes que le dessus de ta fleur, pas la tige. Tu vois ? Ouais, je pense qu'il faudrait faire ça. Comme ça, en fait. Il faut que tu ailles que comme ça, tu vois ? Trop joli, hein ? Waouh, ça va être beau, hein. Tu pourras écrire c'est le printemps. Ouais, c'est le printemps. J'ai oublié de reprendre la caméra. Bref, on a bien avancé parce qu'on a même pris le goûter. Je remonte donc il fait nuit, comme d'habitude, voilà. Mathieu m'a mis mes petites étagères que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est fait. Et là, c'est fait. Ici, Mathieu a réparé la porte parce qu'en fait, celle-là ne s'ouvrait jamais. En fait, elle était scellée. Donc là, Mathieu, il m'a fait en sorte que, tada, elle puisse s'ouvrir. Donc ça, c'est trop magnifique. Pourquoi elle était scellée, je ne sais pas. Pourquoi elle était scellée, d'ailleurs ? Aucune idée, si, parce qu'il y avait la lumière. Ah, parce qu'il y avait une lumière en dessous, en ouais. 12 volts, là. Mais nous, ça ne nous intéressait pas. Donc Mathieu, il l'a décellée. Donc maintenant, je peux l'ouvrir. C'est bien plus pratique. Du coup, ça me fait une porte, enfin un placard en plus, quoi, en rangement. Ici on met pas d'étagère parce que en fait c'est un peu c'est mansardé, c'est là, c'est, si vous voulez, donc ça me sert à rien de mettre une étagère là, donc on n'en met pas. Ici ça sera tous les rangements fringues de Roxane, et là-bas Mathieu n'en a pas mis parce que normalement avec les rangements qu'il m'a fait juste ici et les rangements Shein que j'ai acheté, les filles devraient rentrer, Sarah devrait rentrer ici et Roxane dans les trois placards là. Donc normalement les placards là-bas ne devraient pas être pris par des habits, mais on va essayer de ranger par exemple le papier toilette, le gel douche, le shampoing, etc, etc. Ça sera plutôt des placards de rangement pour le nécessaire de toilette. Donc du coup ça, c'est fait. Ensuite, là Mathieu est en train de faire l'étagère à épices. Donc il a préparé son étagère, il l'a coupée, elle est juste là, elle est magnifique cette étagère. Voilà, donc il est en train de me l'installer. Il a fait aussi le placard juste là, je vous le montre en bas. Si j'arrive à l'ouvrir, ça c'était mon ongle. Du coup, on a changé un petit peu le placard juste ici. C'est dans la caravane, la lumière c'est pas terrible. On a changé en fait ce meuble parce qu'à la base il y avait trois grosses étagères. Donc là, Mathieu il en a fait deux. Juste deux ici pour ranger les gros trucs. Et il m'a fait ce meuble là, mais je vous le montrerai plus tard parce que si je vous montre tout de suite, ça ne sert à rien que je vous fasse une vidéo rangement de la caravane. Voilà, donc il m'a créé un petit meuble, mais ça il fallait juste qu'il leur bidouille. Mais ça fait un petit moment déjà qu'il est fait celui-là. Ouais. Enfin, un petit moment, ça fait 3 semaines quoi. Ouais, oui. Donc ça c'est fait. Pendant que Mathieu a bricolé tout ça, excusez-moi monsieur, il faudrait que je passe. Là. Ah, pardon. Attends, bouge pas. On ne peut plus passer dans la caravane. C'est bien compliqué. Ouais, voilà. Donc du coup, pendant que Mathieu faisait tout ça, moi je me suis posée dans ce coin-là. Pour ceux qui savent, c'est les toilettes, voilà. Et j'ai bricolé. Parce que oui, mademoiselle Hibou sait bricoler. Donc j'ai installé le porte-serviette qui est juste ici. Ça va nous faire un rangement de plus pour les serviettes. Donc je l'ai accroché là-haut, voilà. Et en fait ici à la base il y avait une étagère que j'ai changé de place et que j'ai mis juste au-dessus de la fenêtre. Voilà, donc comme ça c'est fait et j'ai raccroché ça parce que bah du coup je les avais enlevés, donc je les ai remis. Comme ça c'est fait et j'ai nettoyé toute cette petite pièce rikiki, mais je l'ai refait. Je sais pas ce qui se passe. Bref, donc du coup j'ai fait tout ce qu'il fallait dans les toilettes. Et dans notre chambre il n'y avait pas grand chose à faire parce que pour l'instant on s'y est pas encore arrêté, mis à part que j'ai rangé un petit peu de caisses dans la penderie là-bas. Mais voilà, donc du coup on a bien avancé. Donc maintenant que Mathieu va bricoler, vous voyez que la caravane est grande, mais comme là il y a tout le bazar, dès qu'on est, ouais, il y a tout le bazar du bricolage, les scies, les bouts de bois, les machins, il y en a partout. Donc dès qu'on est trop dans la caravane, on s'en sort plus, voilà. Donc là en fait je ressors, donc la lumière va rechanger, voilà. Et moi je vais me rattaquer du coup aux deux étagères que j'avais commencé tout à l'heure et que je n'ai toujours pas fini parce que pour tout vous avouer, j'avais oublié.
Voilà, mais au moins elles sont bien secs. Donc du coup je vais les peindre. Comme ça, ça sera fait et Mathieu pourra lui raccrocher cette semaine. Roxane a s'est trouvé un nouveau doudou et dort avec la boîte de vis de son papa. Tout va bien, chef. C'est pour être sûr que... Ah ouais, tu bricoles pas. Quoi. Ouais. Franchement, c'est une mère bricolo, je crois. Non, pas du tout. Bon, nous, on est en train de ranger un peu la caravane. Déjà, il n'y a plus rien là sur les coussins, alors que c'était bien rempli ces derniers temps. Ouais, là, on est en train de débarrasser un peu la table. Mathieu est en train de mettre ses outils là. Ici, c'est pareil, c'est tout vide, alors que bah, tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait plein de bouts de bois et tout. Là, on a tout rangé, c'est fait. Et puis là-bas, dans la chambre aussi, c'est rangé. Mathieu m'a fait ma petite truc à épices, mais bon, là, c'est pas les vraies épices. On va en acheter rien que pour la caravane. Donc, c'était vraiment histoire de me faire un modèle. Les épices de test. Ouais, c'est les épices de test, ouais. Mais au moins, c'est fait. Donc, du coup, on continue de ranger un petit peu tout ça. Parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à ranger, quoi. Bon, on est rentré à la maison. En même temps, il est 19h. Donc, il était grand temps. Voilà, donc du coup, j'ai envoyé Sarah à la douche parce qu'elle met son pyjama, là, genre comme si elle avait fait sa douche ce matin, mais non. Donc j'ai envoyé à la douche, Roman l'avait fait ce matin, donc c'est bon. Ah, mes souhaits. Nous, on est en train de ranger un peu tout ce qu'on a pu ramener de la caravane ou tout ce qui a pu être ressorti pour bricoler dans la caravane. Donc là, un petit peu de rangement. Et puis, il faut qu'on fasse à manger. J'ai l'impression qu'avec ce changement d'heure, on ne fait que manger. J'ai dit à Mathieu déjà au goûter tout à l'heure. Je dis, quoi, c'est déjà le goûter? Je dis, attends, on vient de manger. Il me dit, bah non, il est 16h30, donc c'est ça. Et là, il est 19h, j'ai l'impression qu'on sort du goûter, quoi. Ça me perturbe, ce changement d'heure. Ça me perturbe. C'est un petit peu la cata là, ce soir. Roxane, c'est grosse comédie. Alors, on le voit bien à ses yeux. Enfin, comédie, je sais pas si c'est de la comédie. Mais on l'a mis au bain. Ça a été une catastrophe. Mais elle a hurlé, mais alors, comme jamais. Du coup, je lui ai fait un gros mouchage de nez. Je lui ai mis des gouttes dans le nez. Je lui ai redonné du Doliprane. Et c'est pas la grande forme. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est ronchon. Je pense que c'est... C'est de nouveau pas la grande forme. Donc là, j'avoue que ça amuse un peu. Mais bon, du coup, je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Et puis voilà. Et puis si ça continue comme ça, et ben cette semaine, j'irai au médecin ou j'irai voir la docteur de la PMI, j'en sais rien. Nous, chez nous, avoir un rendez-vous au médecin, c'est toujours très compliqué. Et surtout, très vite, encore pire. Donc là, je vous avoue que je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Il est 18h30, faut encore qu'on fasse à manger. J'ai encore pas fait ma douche. Bref, on n'est pas en avance du tout. Quelle heure se fait-il? 9h. Donc, Sarah, je lui ai demandé de se laver les dents. C'est fait, ses habits de main pour demain sont préparés. Le cartable est prêt aussi. On a mangé, donc il est l'heure d'aller au dodo. On y va, toute ta chambre est rangée. Là, ça sent le truc pour le nez dans la chambre à Sarah. Ce que j'en ai mis tout à l'heure pour le nez de Roxane cette nuit. Regardez-moi tout ce que Sarah nous a fait. Regardez comme c'est joli. Waouh, t'as fait des beaux trucs, hein. Alors, attends. Oh, je les ai collés à l'envers. Attends, on va essayer de montrer aux abonnés, tiens. Alors, on a celui-là. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça c'est très joli ça. J'aime beaucoup. Voilà, c'est des stickers que tu as collés. Mais là, il y a un peu de journal, un peu de fleurs, de l'herbe, là, des autres fleurs. Oh là 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 là! Oh, trop mignon! Trop joli! T'en fais, hein, des trucs qui collent. Hein, franchement. Ouais. Je crois qu'elle était très contente de ce truc que je lui ai offert. Donc c'est le principal. Que celui-là. D'accord, ok. Donc zou. Maintenant, il est l'heure du dodo. Ah, ça, bah, on va si peut-être le ranger parce que c'est non demain. Bon alors, tu vois que tu l'as. Il était où? Je sais pas. Ça, elle arrêtait pas de me dire, oh, dans les stylos, il n'y a pas le jaune, c'est dommage. Les stylos médicaments là, qui ressemble à ces petites choses-là, là, comme ça. En fait, elle a un rose, un orange, un vert, un bleu. Et quand elle a vu sur l'annonce les couleurs, elle m'a dit, oh, mais moi, j'ai pas le jaune. En fait, il est là. Hein. Mais bon, bref. Mais je l'avais pas vu. Bah, je sais pas, moi. Allez, Zou, il est l'heure d'aller au dodo. Et de une au dodo. Mmh.
petite lumière est allumée. Roman est en train de préparer ses affaires. Roxane, on l'a dit avec Mathieu, c'est même pas la peine d'essayer demain de la mettre à l'école. Vu comment elle est prise, c'est même pas la peine. Ah, c'est la météo. Oh, demain, ils annoncent entre 21 et 22 chez nous. Ouais. Regardez la météo, je vous reprends après. Les températures, ça dégringole la semaine prochaine. Hein, c'est catastrophique. Ouais. C'était habitué à ce qu'il fasse beau là. 20 demain. Dimanche 9. Ouais, c'est ça. Ah là là, ça va nous faire drôle, on va perdre 10 degrés d'un coup quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je vous disais que Roxane, on teste même pas de la mettre à l'école demain. Elle est tellement prise que ça sert à rien. Je vais la garder au chaud, elle y retournera mardi. On appellera l'école demain pour dire qu'elle est encore prise du nez. Comme tout le temps, voilà. Donc du coup, elle est là. Roman, comme je l'ai dit, prépare ses affaires. Moi, je me suis posée depuis déjà un bon quart d'heure devant les commentaires. Et je réponds et je réponds et je réponds parce que vous avez été très nombreux à souhaiter un joyeux anniversaire à Sarah. Donc du coup, je vous réponds un par un. Donc ça prend un petit peu de temps. Et après, il faut que je monte le vlog. Et toi, il faut que tu fasses chauffer les pommes de terre pour la pimentaise demain midi. Ça fait. Comme ça, ça sera fait. Elle sera déjà prête et on sera tranquille. Oui, elle sera prête, on sera tranquille. Il n'y aura plus qu'à faire la maillot demain. Et puis, voilà, c'est ça. Voilà. Allez, je continue à répondre à vos commentaires. Voilà, j'ai répondu aux nombreux commentaires, ça en fait 98. Vous avez explosé le compteur des commentaires. 98 commentaires sous la vidéo de joyeux anniversaire Sarah. Merci à vous tous, même si je crois n'avoir oublié personne. En tout cas, si c'est le cas, je suis désolée, mais avec autant de commentaires, c'est pas toujours évident de bien suivre, mais je crois avoir dit merci à chacun d'entre vous. Franchement, c'était très gentil de votre part. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, vous avez pété les scores aussi sur la vidéo où le titre c'est je me sens mal, on arrive aux 3000 vues sur un vlog, on a dépassé les retours de course quand même sur un vlog, ce qui est quand même assez rare. Et vous pétez les compteurs en ce moment. Donc du coup les commentaires c'est fait, du coup je vous l'ai dit. J'ai monté le vlog aussi jusque là. Comme ça c'est fait. La pimentaise est prête aussi pour demain, je n'aurai plus que la mayo à préparer. Pourquoi il y a un téléphone qui sonne? C'est pour en dire que mes patates sont cuites. Ah d'accord, ok. Comme ça, je n'aurai que la mayo à faire demain midi. Comme ça, c'est plus rapide et c'est plus simple de la faire ce soir. Et comme ça, elle est bien fraîche pour la manger demain midi. Puis en plus, vu le temps qu'il va faire, franchement, je pense qu'on a bien fait de faire froid. Là, ce soir, normalement, on avait barbecue. Mais au final, on a fait plan de chat parce qu'on avait la flemme de sortir le barbecue et tout. Donc, on a fait plan de chat et les filles étaient très contentes. Donc c'est cool. Donc, maintenant que tout ça, c'est fait, je vais pouvoir enfin aller me doucher. Parce que là, je vous avoue que je n'attends que ça, de pouvoir aller me doucher. Voilà. Et après, je pense que ça sera instant un peu jeu. Parce que bah, avec la journée... bricolage dans la caravane plus Roxane ultra méga ronchon, et elle est toujours ronchon, là vous l'entendez pas parce qu'elle est posée sur le canapé, mais il y a 2 secondes avant que j'allume la caméra, c'est pas ça, voilà. C'est comme ça tout le temps, donc même si là avec le lavage de nez et les gouttes que je lui ai mis dans le nez, elle renifle beaucoup moins, je pense qu'elle est mal fichue quoi, donc entre le bricolage et Roxane qui est mal fichue, j'ai qu'une hâte, franchement, c'est d'aller me doucher et de me détendre un petit peu devant mes Sims. Ça va me faire du bien. Voilà. Donc, je vous donne du coup rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Demain, lundi. Peut-être que j'irai chercher Sarah à pied avec Roxane. Je sais pas. Ça dépendra de comment elle se sent. Et puis, si c'est pas le cas, je pense qu'on se posera un petit peu dehors de toute façon demain soir. Parce que vu comment il fait beau, on va en profiter. Voilà. Donc je vous fais tout plein de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et on se retrouve demain. Du coup, Monsieur Hibou se joint à moi pour vous faire un bisou, mais il est en train de s'occuper de dégoûter. Il est en train d'égoutter les pommes de terre. Donc il vous fait des gros bisous, tout comme moi d'ailleurs. À demain les amis, ciao.